s'assurer que les messages que nous voulons faire passer puissent passer dans des langues, en utilisant les langues communautaires, en utilisant les langues communautaires, c'est extrêmement important. Non, en fait, tu es là connecté, tu me cherchais seulement. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Merci, merci beaucoup, ma puce. Merci, chérie. Bonjour, connectez, vous partagez. Oh. Maman, j'ai souvent mes stylos ici. Là. Je ne sais même pas qui me prend mes stylos ici. C'est pas vrai. Je cherche un, je ne trouve pas. C'est un rouge. C'est un rouge. Où c'est ça? Coucou ma ressemble, comment tu vas chérie? Mon bébé à moi, ma ressemble chérie. Mon enfant. Mon enfant, comment vous me voulez? Elle dit mes enfants comme ça là. Il y a des gens qui pensent que c'est le genre d'enfants qui les envoie les bouches à lèvres et les parfums. Ah, c'est pas le genre là. Hein. Félicie doit partir aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Vous vont bien? Partager le live. C'est mon carnet d'adresse où je mets les notes de l'adresse des clients. Je n'ai pas allé chercher chaque temps. Je n'ai pas allé chercher chaque temps. On dit quoi? La toile dit quoi? On a dit que moi, il doit préparer les choses de la toile parce que je suis chef d'entreprise. Donc, on m'interdit. Ça, c'est une commande pour BHP que j'ai donnée. On m'interdit de parler les choses de la toile. Non? On dit que c'est pour les uns. Ce n'est pas pour tout le monde. Je suis les adresses. Les lunettes sont où? Attendez, moi, je cherche mes lunettes. Oui. Bonjour Marie-Claire. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas le nombre de personnes connectées, mais ça m'importe peu. C'est quand je ne peux pas lire les commentaires que ça m'énerve.
Bonjour Roselle Perlet-La. Bonjour tout le monde. Bonjour mes beautés. Sandrine Fontan, bonjour. Comment vous allez? Alors. Donc, mon visage commence à s'habituer au lunettier. Bonjour Marie-Claire. Je... voici ici. Ok. C'est pas si j'ai le truc. Je vais prendre là-bas. Je prends dans la poste. Je pense pas que j'ai les... Ok. Comment ça? Oh, je ne sais pas, je suis encore là. Bonjour, ma Karine. Comment tu vas, ma sœur? Karine, je suis chaud. Comment ça? Oh, je ne sais pas, je suis encore là. Comment ta soeur est combattue sur la plaine, maman? Tout le monde veut seulement que d'aille. Mais je ne lâche rien. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Regardez si j'ai les... Je n'ai pas pris ça la dernière fois. Je n'avais pas pris... J'avais pris, mais il n'y a pas les... Ça, c'est vrai que la France. J'en ai, mais je n'ai que pour la France. Là, c'est que la France. Bon, là, je vais aller à la poste de contrôle. Bonjour, Claire et Cui, ma soeur. Comment tu vas? On dit quoi ce matin alors? Marco Lily de la Tour, bonjour. Et, mais quand les gens disent concentre-toi, ton commerce, je suis dépassé. Qui se concentre dans le Mlakata? Ah, peut-être Sandrine veut que je fasse l'exception de la chose. Ce n'est pas aussi méchant. Ils se disent que toi, au moins, tu as... Faut pas toujours tout prendre en mal, hein. Voilà. Même quand quelqu'un te framponne. Vous savez, c'est ça qui fait Sandrine. C'est ça qui fait ma différence avec beaucoup de gens. Même quand quelqu'un me framponne. Dans le framponnement, là, j'essaie quand même de... J'essaie de voir ce qu'il y a de positif, là. Et je m'en sers. Bonjour, Lumes Yolande. Et je m'en sers. Tu comprends? Voilà. Quand je lis ton commentaire, tu dis, mais quand les gens disent concentre-toi,
ton commerce, je suis dépassé, qui se concentre dans l'ombrakata. Je comprends qui se concentre dans l'ombrakata. Peut-être ils se disent que, attends, nous on est dans l'ombrakata, toi au moins tu es venu avec quelque chose, concentre-toi sur toi, laisse-nous tout le kombucha de la toile. Mais sauf qu'ils oublient que je suis aussi humaine, et que je suis aussi camerounaise, et que le kombucha, le tchotcholi, le sungi-sungi, c'est dans mon sang aussi, comme eux, malgré que j'ai quelque chose en plus. La tasse monégasque, elle est là, bien en place. La tasse de monégasque. Claire Chature. Bonjour, ma sisto Sylvia Nicole. Ma sisto à moi, celle qui a toujours été là pour moi. Elle est là, qui pleuve, qui neige, ma sisto est là. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne quitte jamais, et justement, ma rose chaud, bisous. Je ne quitte jamais mon objectif des yeux. C'est ça le problème, c'est ce que les gens n'ont pas compris. L'effet d'être dans le bakata ne peut pas me faire perdre l'objectif. Mon objectif ne peut pas me perdre ce que je sais que je suis sur la toile et que ce qui peut me rapporter. Ça, jamais. Voilà. Vous me voyez souvent ici, quand je me souviens mes commandes à la cuisine, je disparais. Je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et quand je finis, que je vous reviens, je sais faire la part de choses. Je fais partie de celle-là qui fait faire la part de choses. Voilà. Mais, vous n'allez pas me dire, je vais pas vous laisser tout le commencement de la toile. Si c'est pour ça, je suis désolée, vous avez menti. Voilà. Je suis toujours venue donner mon avis. Quitte à ce que ça déplaise. Que ça plaise ou que ça déplaise. Même celles que vous prenez souvent pour des exemples, parce que tout tourne autour d'eux, que vous prenez pour des exemples, elles-mêmes de temps en temps, là, vous ne la voyez pas. Moi, je parle de Flore. Hein. Vous ne voyez pas Flore maintenant parce qu'elle est concentrée. C'est ça, on appelle ça, on va faire la part des choses. Elle est focus sur le 2 novembre. Voilà. Vous allez peut-être la voir le 4 novembre parce qu'elle va prendre le 3 pour se reposer. Voilà. Et n'oubliez pas, il y a l'after. Après le 2 novembre, ben, il y a le Koubouy. Voilà, passez vos commandes dès maintenant. Comme ça, je sais le nombre de commandes que j'ai. Parce que c'est quelque chose que je vais faire la veille, avant d'aller à la soirée. Mamie d'Arico sera déjà préparée. Mes tripes, mes cuisses de poulet sont préparées. Voilà. Donc, quand je rentre petit matin, je lance seulement les beignets. J'apprête des barquettes. Je livre à chacun. Voilà. Je livre à chacun de vous. Donc, after, au lendemain du 2 novembre, baignez à l'éco-bouillie. Voilà, donc, et passez vos commandes dès maintenant. J'ai mon petit bloc-notes pour noter. Là, j'ai déjà deux commandes. Là, j'ai déjà deux personnes qui ont noté. Qui ont déjà noté. Ils veulent les BHB. Après le truc. Voilà. Donc, après le 2 novembre, after le 3, bien à l'éco-bouilli. Voilà. Je vous livre. Pas de souci à ça. Oui, c'est ça. C'est le concept. N'oubliez pas, passez vos commandes de nos savons magiques que voici. Tous ceux qui ont essayé mes savons n'ont que de bons résultats. Voilà. Et parfois, la publicité, comme on dit souvent, toute publicité, c'est être une publicité, qu'elle soit positive ou négative, quel que soit ce que les gens disent. Mes savons, elles vont comme des petits pains. Là, d'ailleurs, je suis déjà encore en rupture de stock de la carotte. Il faut que je commande le savon à la carotte, qu'elle m'arrive. Et puis le 28 septembre qui arrive, la prochaine, là. N'oubliez pas, j'avais partagé le flyer sur ma page. Je pense que je vais remonter ce flyer. Bonjour, Pauline Mireille. Très bonne idée. Si tu avais la voiture et sur Paris, et quand sur Paris, tu sortais de la soirée à 5h, tu pars. La soirée n'est pas loin de moi. Hein. C'est ici, là. Même sur place, le jour, là, il vient vous livrer. La soirée n'est pas loin de moi, c'est là. À Espace Nantais,
Ce n'est pas loin de moi, je suis tout à côté. Coucou ma sister Julienne Zombie, j'ai vu ton post. Merci. Et il ne s'est pas entré dans les oreilles d'une sourde. Merci beaucoup. Je passe à autre chose. Merci ma sister. Merci beaucoup. Voilà. Merci ma sister. Et la fois dernière, je m'avais toujours fait ce genre de post, mais par incompréhension. Et je n'avais pas encore la maturité de la toile comme je l'ai maintenant. Voilà, donc je n'avais pas compris. Merci beaucoup, ma sister, parce que toi, tu as toujours été là pour moi. Hein. Qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà, tu essayes de me remonter les bretelles. C'est aussi normal, hein. Comme tu peux. Comme je te l'ai dit la dernière fois, c'était juste malentendu. Je ne t'avais pas compris. Et merci, merci, sister. J'ai vu ton post et merci. Je l'ai même repartagé. Merci. La reine mère des Lolomania, merci. Jeannette, Jeannette et Soussé, bonjour. Bonjour ma soeur, merci beaucoup. Bonjour. Bio Beauty, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, comme je disais, passez vos commandes déjà des beignets haricots, bouillis pour déjà, le concept est là pour tous les dimanches, pour ceux qui le veulent. PDG, oh, ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Qui de mieux pour soulever sa part de soeur? Hé, hey, aïe, oh. Ah, le basseur en assomme, dit-on. Assomme. Le basseur, ça va être assomme. Voilà. Et en ce qui me concerne, ma soeur Moula, Moula, je ne t'en tiens aucune rigueur. Je passe à autre chose. Voilà. Je ne t'en tiens aucune rigueur. Tu es une soeur et tu resteras une soeur. Je ne t'en tiens aucune rigueur. Moi, je passe à autre chose. Ça peut arriver dans toutes les grandes familles que les sœurs ne se comprennent pas. Je passe à autre chose. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Tout fraîche ce matin. Valorise-toi, ma sœur. Tu es une femme battante. Merci, ma sister. Donc, merci à tous, merci pour tous vos soutiens, tous ceux qui m'ont soutenu, Mordicus. Merci à toi, Nancy, ma soeur, pour ton soutien qui m'a été très utile. Merci à toi aussi. Merci à tous. Maintenant, place au travail, de temps en temps. On ne s'oublie, on est perdu par dans le désordre. Voilà. On ne perdit pas dans le des autres. Voilà. Et parce que tu es supérieur, tu passes à autre chose. Voilà. Tu restes un grand frère. Voilà. C'est ta façon. Tiens, cette façon. C'est ta façon d'être. C'est comme ça que tu parles à tes soeurs. Merci, quand même. Il n'y a pas. Dans tout ce que tu as dit, il n'y a pas. On ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. C'est ça le proverbe, non? Hein? Le proverbe, c'est ça. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Dans tout ce que tu as dit, il y a aussi du bon dedans. Je prends ce que tu as dit de bon. Et le reste, je n'en tiens pas rigueur et je passe à autre chose. Voilà. Donc, merci à tous. Coucou, bonjour Rachel Ngotoni, merci. Exactement, c'est ce que je dis. Je dis merci beaucoup à Nancy pour son soutien. Son soutien me va droit au cœur. Nancy, c'est une bonne femme. Nancy, c'est une personne très loyale. Nancy, c'est une femme loyale. Nancy, c'est une grande dame. Nancy, ma soeur chérie, je t'ai vue ce matin. Tu es dans tous tes états. Je te comprends. Mais je passe à autre chose. Concentrons-nous. Nous avons beaucoup, à porter. Laisse tomber, ma soeur. Laisse. Passons à autre chose. Merci surtout. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Sur ce, c'est ce que je voulais dire ce matin.
Rachel. Rachel, c'est quoi ce yeux là? Hein, Rachel Gottsoni m'assiste tout. Si vous arrêtez vos familles de Facebook, chacun s'en se portera mieux. Ah, les familles de Facebook, hein. Non, moi, il n'y a plus de famille sur Facebook. Pardon. Je suis une chef d'entreprise. Aujourd'hui, je me concentre sur mes business, dans mes business. Reste comme tu es, dans ta bonne humeur. On va soutenir, aura. Meta, c'est l'amusement. Ce qui est sûr, je ne peux pas changer. C'est mon moi qui est là. Mais à partir d'aujourd'hui, je reste chez moi et le seul panel où moi je monte et que personne ne peut m'empêcher de monter, c'est chez Cash. J'irai toujours chez Cash. Parce que je suis bien chez Cash. Parce que les panélistes de Cash, je les adore. On ne parle pas que du Congo, ça chez Cash. On parle de tout, on parle de rien, on parle même parfois de nos propres vies. Chacun raconte ses expériences. Voilà. Celui qui va en tirer du bon, il en tire ce qu'il ne veut pas. Son problème. J'irai toujours chez Cash. Justine Larose, bonjour, bon conseil. Tata Nancy, ta soeur Marc Larose. Et Nancy reste ma personne de cœur parce qu'elle est vraie. Elle est véridique. Elle est pragmatique. Jack Boy, bonjour. S'il vous plaît, mes roses, mettez les cœurs ici pour Nancy. Voilà. Mettez les cœurs pour Nancy. Merci Sandrine pour les cœurs pour Nancy. Les cœurs là, c'est pour Nancy. Nancy Beauté Beauty, ma soeur. Là, tes cœurs. Pardon, mettez les cœurs pour Nancy. Plantain tendu, merci. Mettez les cœurs pour Nancy. Nancy mérite les cœurs. Voilà. C'est ma personne de cœur. C'est une femme intègre. Merci Rachel Gautouin. Les cœurs pour Nancy. Nancy, c'est une femme intègre. C'est une femme vraie. C'est une femme pragmatique. Voilà. C'est la toile camerounaise. Aline Watte, bonjour. Bonjour Marousse. Je suis une belle personne. Et je change pas. Voilà. Si la toile camerounaise est valorisée plus, les personnes qui apportent sur la toile, les personnes qui ont un concept, les personnes, voilà, et non toujours soutenir, alors maintenant c'est votre choix. La toile elle est faite comme ça, on n'y peut rien, on apprend. Bon, au moins ce peu de personnes qui essayent de voir et de valoriser, de nous valoriser, nous d'autres, on vous dit merci. Voilà. Nous vous disons merci. Sur ce, maintenant, je suis une place dans mes activités. Quand j'ai envie de me balader, je suis chez Cash. Parce que chez Cash, Cash ne permet personne d'insulter. Chez Cash, on n'insulte pas. Quand Cash ne veut pas un débat, il dit et tout le monde respecte. Cash ne vilipende pas. Cash ne critique pas. On débat chez Cash. Voilà. Donc, le panel de Cash doit vivre. Et moi, je vais participer à le faire vivre. C'est au moins un panel où on retrouve un peu de sa sincérité. Et moi, j'invite mes roses et mes rosés à aller vous abonner chez Cash. Et au moins, c'est un homme qui s'est fait la part des choses. Bonjour Solange de Saint-Tropez. Allez vous abonner chez Cash. Donnons de la force à Cash. Voilà. C'est un panel où tu peux être chez toi même sans vouloir entrer dans le direct. Tu es seulement là. Dans tes moments de relax, tu écoutes des panélistes qui parlent, qui interviennent là-dedans. Sont tous des gens sensés. Sont tous des personnes de bonne moralité. Minindé, bonjour. Claire Ekwe, bonjour. Louise et Miné, bonjour. Le Congo, ça fait vivre les pages. Donc, faites plutôt
Les clashs arrangés, si possible. Ah non, même les clashs arrangés, la Pauline Mireille, ça va mal finir, il faut laisser. Justement, ma rose chou, et nous restons concentrés ici sur les décryptages. Oh, ça ne chauffe pas. S'il y a un sujet sur la toile que j'ai envie de décrypter, j'y décrypte. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Je décrypterai. Je vais décrypter et je décrypterai toujours. Et puis, en passant, vous n'êtes pas fatigué. Parfois, même quand vous n'avez rien à dire, ma soeur Ngonjal, de l'autre côté, vous a dit que elle a fait le direct l'autre jour. Elle a dit que voilà mes pauvres gens qui sont en train de me traiter maintenant. Moi, je n'ai pas vu mes gens qui m'ont traité. Que on était venu l'insulter ici. On l'a voulu qu'elle a dit, elle a parlé de Coach Grota. Mais elle, quand elle n'a rien sur quelqu'un, elle ne parle pas. C'est ce qu'elle avait en main et c'est ça qu'elle a utilisé. Donc depuis là, vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez rien trouvé d'autre alors. C'est votre trophée. Donc parfois, quand vous n'avez rien à dire, et vous savez que votre histoire de Coach Grota, là, moi-même, j'en prends pour en rigoler. Donc ce n'est plus dans l'ordre du jour. Donc c'est du réchauffé. C'est démodé, c'est dans les oubliettes. Voilà, ça ne prend personne, ça ne fait plus rigoler personne. La personne qui a mangé l'argent avec cette vidéo-là, c'est Borosangi, tête de papin, qu'elle m'excuse. C'est elle qui a bien mangé l'argent avec. Et maintenant, c'est dans les oubliettes. Voilà. Donc, quand vous n'avez parfois rien à dire sur quelqu'un, mieux vous la boucler. Voilà. Tu apprenez à dire que non. Vous attendez, peut-être un jour, on ne sait jamais, un djinn djangui peut tomber sur la personne. Parce que vous n'avez rien sur moi. Vous n'avez jamais rien sur moi. Voilà. À part cet épisode que moi je vous avais offert, dû à ma fatigue. Raison pour laquelle je conseille les gens de signaler, ne faites jamais le direct quand vous êtes fatigué. Parce que vous ne savez pas. Si vous êtes fatigué, ne faites pas le direct. Ce jour-là, c'est parce que j'étais très fatigué. Et c'est toujours ma cour d'orcas. Elle me met tout dans les problèmes. Ma cour là. Là, voilà que l'autre jour, je l'ai pris dans mon direct. Bolingo a ouvert un live sur moi. Même le Kurotikota que vous voyez là, ça vient toujours d'elle. Parce qu'elle était toujours venue mêler dans quelque chose que je ne connais pas. Je suis venue répondre avec la fatigue. Mais voilà que je m'oublie. Et ce qui est arrivé, arriva. Et ça m'avait fait mal à l'époque. Parce que c'était mes gens avec qui j'étais. C'est devenu que toujours en train d'aller fouiller dans la poubelle. Et quand vous fouillez, tout ce que vous trouvez, c'est tout ça. Maman, on a trouvé autre chose, non? On ne salit pas ce qui est propre. Quand vous allez comprendre ça, je ne dis pas que je suis sainte. Hein. Je ne suis pas une sainte. Non. Moi, j'ai encore revu ma vidéo. Hein, où j'ai, parce que moi, je revois mes vidéos. Hein. Voilà, je revois mes vidéos. Oui. Et quand j'ai dosé, je sais qu'elle dit que donc ça, là, tout ça, c'est sorti dans ma bouche. Oui, oui. Elle a vu la vidéo. Je n'ai pas donné le lait à Ndolo Mlema. Oui, mais je n'ai pas donné le lait. C'est pas que c'est moi qui ai commencé, non? C'était une riposte. Hein? Elle est qui pour venir me faire la vidéo jusqu'à me dire que j'y suis à fleur de peau. Elle me parle le français. Quand elle va encore dire que le français de, on va dire que hey, anti-anamou. Allez boire. Qu'on puisse rester ta soeur. N'entre plus en clash avec elle. On est d'abord en clash. On se titille. Quand elle soit, elle me dose, moi, elle soit, elle la dose. Est-ce que je suis en clash avec Compresseur? Justine Larose, je ne suis pas en clash avec Compresseur. Compresseur, on se titille. On fait là, on appelle ça que titillement. Et moi, n'est pas en clash, c'est une soeur, elle reste ma soeur. Mais de temps en temps, elle me doit aussi la titiller. Marcos André dos Santos Andros. Andrés.
Buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Mélanger Nadia, bonjour. Hein? Donc, le 2 novembre, maman, le 2 novembre, là, bon, il faut qu'il soit belle. Ah, c'est le jour, là, maman. Maman, les critiques d'après de ça, les paparazzis sont nous après sur ça. Je vais mettre ma tête où? Le 2 novembre. Ah oui, j'aime t'entendre. Bonne parole. Ça, c'est ta soeur. Maman, est-ce qu'on parlait facile? Enfin, ça, c'est ma soeur. Et après. Mais si elle soit, elle m'allume. Moi, une soeur, elle allume. Puis chacun dans son coin. Elle est là-bas avec sa soeur, Ndolé Miondo. Voilà. Moi, je suis avec mes belles soeurs. C'est comme ça. Chacun son. Facebook, c'est comme ça. C'est le game, c'est la politique. C'est les partis politiques Facebook. Chacun choisit son parti politique. Moi, mon parti politique, c'est les Yamseurs. Hein? De l'aime, on doit choisir sa part de parti politique. C'est sa sœur là-bas. Facebook, c'est comme ça. Il y a la politique, non? Et les tâteurs nous guettent. Eh oui, je suis à Poissy mardi matin. Ah, d'accord, ça marche. Voilà, comme ça, on se voit avant que je ne parte là où on walk. Tu me dis, on se voit à la gare Poissy, il n'y a pas de souci. Oh, à chacun son couloir. Aïe, c'est des partis politiques, donc ça ne chauffe pas. Je vais aussi éclaircir un petit truc que j'ai écouté dans le direct de Pasto. Il y a un passage où Pasto a dit que j'ai fait un direct avec un titre que Flore m'a donné la télécommande. Ça veut dire que Pasto n'a pas compris mon live. Pasto, tu n'as pas compris mon live. Et j'étais dans mon emo Facebook parce que je suis une humoriste à la base. J'ai ce truc-là pour animer mon blog. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis déjà... J'ai pris la place de Flo ou quoi que ce soit. Non. Après, quand vous ne comprenez pas, il faut demander. Voilà. Et j'avais vu... bonjour Parfum Gel. J'avais vu le chantier que Flo a publié. Voilà. Je voulais un peu taquiner les détracteurs. Pour les dire que... voilà. Comme... Depuis là, vous êtes sur la forme de trouver, elle ne vous gêne même pas. Je voulais un peu faire le, comment on l'appelle, la griotte, puisqu'on dit qu'elle travaille pour elle, non. Il faut que de temps en temps, je fasse quand même mon travail. Facebook des Ivoiriens n'est pas la politique, c'est pour toi là-bas. Et Sylvie P, d'accord. Facebook des Ivoiriens n'est pas politique. Ils ne sont dans la dénonciation. Quand il y a la vérité, c'est le rôle des blogueurs. Tu peux devenir blogueur ou blogueuse aussi. Et tu fais comme les Ivoiriens, ma chérie. D'accord? Tu ne viens pas... Si vous aimez souvent rester dans vos trucs là, et puis quand c'est pour donner des critiques, vous êtes fort. Donc, tu peux mettre ta caméra, tu deviens comme les blogueurs ivoiriens. Tu dénonces. Facebook des Ivoiriens, c'est même pas Facebook des Camerounais. Depuis quand le Cameroun copie chez les gens, c'est toujours les gens qui ont copié chez le Cameroun. Chez nous, c'est la politique aura. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Donc, m'a coupé le fil. Je reprends mon fil. Je suis en train d'expliquer un truc que Pasto n'avait pas compris, qu'il a énuméré dans son live que j'ai écouté. Donc, c'était pour animer la galerie et je voulais un peu faire mon rôle puisque depuis, on m'attribue ça. D'être le Ndjinda, travailler sans salaire de Flore, lécher les bottes de Flore, d'accord? Donc, c'était ma part de riposte. Je voulais un peu faire mon travail. Mais ma chérie, tu fais quoi alors sur nos pages? Va suivre les Ivoiriens, non, ma Misa. Tu fais quoi sur ma page le matin? D'ailleurs, même te bloque. Ça, c'est des oiseaux de mauvais augure. Au revoir. Va chez les Ivoiriens.
tu me balleras. Va chez les Ivoiriens. Tu veux quoi ici? Donc, je voulais donc animer la galerie. Je voulais taquiner un peu les détracteurs, les voisins, les gens d'en face, pour aller montrer le chantier de Flore, comme je sais que Flore est occupée en ce moment, concentrée avec sa soirée. Fait un peu l'onkoulou. Flore, c'est pour ça que j'ai fait. J'ai dit, ah, Facebook est trop calme. Je m'en vais, j'ai récupéré la télécommande à Flore pour appuyer sur déranger. Et la preuve, j'ai vraiment appuyé sur déranger. Hein? Et ça t'a fait sortir, Pasto. Tu as vu que j'ai vraiment appuyé sur déranger. Mais c'était pas pour toi. C'était pour les détracteurs. Voilà. Voilà. Je pense pas que toi, tu sois détracteur. Voilà. Donc, tu avais donc vu que Flore m'avait vraiment donné la télécommande. J'avais vraiment récupéré la télécommande chez Flore. Et j'ai appuyé sur déranger. Et ça a dérangé. Hein? Au point où toi, tu es sorti. Puisque j'imagine ce qui s'est dit. Hey, c'est plan pour qui? Hey, dis déjà que... Flore me donne la télécommande quand elle veut sa télécommande, je suis sa belle-sœur. Exactement, tu as animé Facebook. Animé Facebook, malheureusement, les gens ne comprennent pas l'humour. C'est le problème s'ils ne comprennent pas l'humour. C'est le problème, la preuve. J'ai vraiment dérangé. Aïe, c'était mon nom. Partout, ça donnait de partout. C'est même ça. La veuve joyeuse, l'influenceuse blogueuse, ce n'est pas le fait que Dorcas s'est monté sur mon live qui l'a fait sortir sur moi. Hein. Non, c'est un prétexte qu'elle a pris. C'est tout ça là, c'est la télécommande que j'ai dit que j'ai pris là. Que je suis j'ai pris la télécommande. J'ai fait comme ça, tac. Maman, j'ai allumé tout le monde. Oh maman, mon nom. Mon nom. Pardon, j'ai remis la télécommande. Aïe! Quand vous hasardez, allez prendre la télécommande là. Soyez sûr hein, de gérer le retour. Maman. Merde. Non. C'était mon nom partout. Maman, il y en a même qui ont pris mon nom. Ils se sont levés sans se laver. Sans même laver le cou et tout. Du matin jusqu'au lendemain soir. Non. Ma BS. Je te donne le tchakap. Pardon, la prochaine fois, avant de venir prendre la télécommande chez toi, je vais réfléchir par 1000 fois. C'est-à-dire que je vais d'abord bien me préparer. Je vais bien m'armer. non, j'ai senti. Non, la prochaine fois, avant de prendre la télécommande pour allumer. Parce que Facebook était calme. J'ai dit que qui? Pourquoi Facebook est calme comme ça? Allez chercher la télécommande. Appuyez sur déranger. J'ai fait tac. Maman. Maman. Le manoir, là. Manoir de ça. Maman. Le manoir a allumé les cœurs des gens. Maman. Bébé Joyeuse est venu me faire la vidéo. Guéro. J'y comprends, j'y prends. C'était pas ça. C'était le manoir. Modan, c'est le manoir de Flo. Hey! 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 On peut faire ça d'abord. Je commence à 11h, c'est pour ça que je suis encore là. Je commence à 11h. C'est ça que vous me voyez là. Ah, normal, même je travaille pour aujourd'hui. C'est une présentation que je devais faire mercredi dernier. Elle n'est pas faite. Parce que moi, je travaille pas. Je travaille un mercredi sur deux. Donc, comme je ne l'ai pas fait mercredi dernier, je dois la faire aujourd'hui. Sinon, dans mon planning, je travaille pour aujourd'hui. Hé! Hey, Anawama. C'était chaud. Ah, faut percer, mais la rose, prépare-toi pour encore récupérer la télécommande de ce week-end, pardon. Eh, ma foi percée. Non, qu'est-ce que vous en dites? Non, je vais d'abord voir combien on passe au vote. Vous êtes combien?
qui voulait que je récupère la télécommande. Vous êtes combien? Mettez. Qui est pour que j'aille prendre la télécommande? Que ma BS me donne encore la télécommande pour le week-end. Vous êtes combien? Vous êtes pour? Hein? Yaya Mafoua Pessé, qui est pour? Bafengel, qu'est-ce que tu en dis? Sandrine Fongan, tu en dis? Hmm? Mininde, Mininde est partante pour que je prenne la télécommande encore pour ce week-end. Mm-hmm. Bio Beautiful Candy dit que oui, que je dois aller prendre la télécommande. Hey, hey, ça, maman. Donc avant ça, je vais d'abord me laver. Je vais verser le sel, l'eau bénie, tout ça sur moi. Chunga Pepu, Sylvia Nicole. Je ne connais pas la profondeur de la relation que tu as avec Sandra, mais il faut couper, ça devient malfaisant. Pardon, c'est parce que vous partez gérer Sandra. J'ai vu comment elle vous a aligné hier. Hey, c'est vraiment. Vous partez gérer Sandra. Vous n'avez géré pourquoi? Je n'ai aucune relation avec Sandra, Sylvia Nicole. Aucune. Sandra, j'ai bloqué Sandra partout depuis. Sauf que Facebook, quand tu bloques, à un moment donné, elle crée notre profil et elle revient. Mais sinon, Sandra est bloquée. Sandra depuis. Donc, je n'ai aucune relation avec Sandra. C'est vous. J'ai vu comment Sandra vous a mis au palier. J'étais morte de rire. Tout le monde était versé là-bas. Sandra dit, partagez. Je vais mettre où elle dit qu'elle appelle Flore Kengoy. Maman, tout le monde était versé là-bas. Il y a une là, elle attend que ça, maman. Je ne dis pas son nom. Parce qu'elle ne veut plus les problèmes. Une là, une mater, une écrivaine de Facebook, une qui écrit beaucoup de longs textes comme ça là. Les gens écrivent pour gagner l'argent, elle écrit pour elle sur Facebook. Maman, écrivaine de ça. L'écrivaine de ça. Clotilde Dada dit qu'elle est pour. J'ai entendu parler. Maman, il faut laisser parler. Elle est là en caïman. Elle est là, nous. Hein? Elle est là. Faut laisser pour Sandra là. Sandra court dans vos têtes. Elle va tout courir dans vos têtes. Sandra court dans les têtes des gens qui aiment le Congo ça. Elle vous a aligné hier. Oui, j'ai les vox, j'ai les enregistrements. Déjà un. Hein, quelqu'un vous dit qu'elle a les enregistrements. Et vous courez là-dessus. Vous avez dit qu'elle est d'abord malsaine. Parce que tu ne peux pas causer avec quelqu'un, tu enregistres, tu viens dire que j'ai enregistré la personne. C'est déjà malsain. Vous qui condamnez les choses ici, là, hein, vous devez déjà condamner ça. Si moi, je dis que si quelqu'un vient me dire que j'ai les enregistrements de Sylvia Nicole, elle parle de toi, je t'envoie déjà balader. Parce que pourquoi tu parles avec Sylvia Nicole, tu l'enregistres. Hmm? Tu parles avec quelqu'un. Moi, on dit qu'il y a les téléphones. Moi, je ne sais pas. Mon téléphone n'enregistre pas. Donc, il faut déjà condamner. C'est là derrière quelque chose de condamnable. Parce qu'elle vous dit que ce ne sont pas les voix, ce sont les enregistrements. Et vous courez. Donc, vous êtes toujours en train d'encourager le truc et c'est toujours vous sur la toile ici qui dites que wow, 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 wow. Voilà. Donc, ma rose bloque la personne qui met la tête de moi. C'est qui ça? Comme je ne peux pas maintenant, il va bloquer après. Il va bloquer après, puisque je ne vois pas la personne. Il faut arrêter de venir mettre les têtes de moi. Je suis sûr que c'est Sandra. C'est un faux profil. Je suis sûr que c'est Sandra qui met les têtes de moi ici. Sandra Mimban, tu viens mettre les têtes de moi dans mon live, pourquoi? Parce que j'ai dit que je vais prendre la télécommande chez ma belle chou. D'abord, même, attends, je commence d'abord. On n'a même pas écouté son son ce matin. Tout a commencé comme les amusements. Hé, hey, maman, ma belle chou. La baisse de qui? Aïe, ma belle. Je vais même créer une page, la rose de Fukui. Elle lit le avec moi ici, Chouane. Hey. Ah.
Eh, maman? C'est que les gens disent bas. Je vois. Eh, tu vas. C'est pas les gnoc gnoc. Pas les lol. Les gnam c'est les charvoum. Tu étais déjà star. Sans avoir mouru aujourd'hui. Sandra Mimbang va faire, elle va, aujourd'hui elle va vous donner les enregistrements, elle va mettre les enregistrements là aujourd'hui, bref, bref. Marissa! Maman qui entre dans le cœur de Sandra, là, là. Eh, pas! Tu vas! Et c'est pas les gnoc gnoc, pas les lol, les gnam c'est les charvoum. En tout cas, ma belle ne fabrique plus, je suis la dernière fabrication, ça ne chauffe pas. L'usine est fermée. Tata Lolo ne fabrique plus. Donc arrêtez de lui forcer les gens. Qui est passé tous les raids. Je vais le faire après, je n'arrive pas maintenant, je ne sais pas comment faire. Angie 4, je ne sais pas comment faire, je vais le faire après. Je vais bloquer la personne après. Tu vas. Yo, pas. Comme les amusements. Eh, bah. C'est que les gens disaient bah. Qu'on ne peut plus arrêter. On va encore me laver aujourd'hui. La veuve de 4 étages va me laver. De 8 étages va me laver encore aujourd'hui. Allez, lol. Et ciao à vous. Si était déjà ça. Je t'ai dit que. Tu vois? Eh, bah! Parlons, Sandra, donc tes enregistrements là, l'écrivaine. L'écrivaine de Facebook. Tu vois? C'est pas les gnoc gnoc, pas les bracata, pas les lol. Les gnam c'est les tchakaboum. Maman, on a une belle soeur qui est star. On souffre. En tout cas. Ouba. Il y a deux personnes qui sont en train de mettre les têtes de moi là. Je parie que soit c'est Sandra faux profil, soit c'est l'autre de Belgique là. Le Belge. Ah, ça, il prononce plus ton nom, il te fabrique, peut-être trop fabriqué. Tu vois? Merci. Ça, c'était à l'honneur à la légende des réseaux sociaux. Qui a eu un an de plus il y a deux jours. Voilà. L'anniversaire dure toujours. Hein. Ah. Voilà. Donc, merci. Ce week-end, on va récupérer la télécommande. Donc, il y a beaucoup de poux.
Je vais voir avec ma BS ce week-end n'est pas encore me donner la télécommande. Et de Facebook. Hey! Maman! Aïe! Aïe! Maman! Quand on a une belle sœur qui est légende et une autre qui est Poutine, maman, mon autre belle m'a dit que je ne pouvais pas les petits sports. La Poutine des Poutines! Elle a dit qu'elle ne pouvait pas les sports. Jalousie de ça. Elle die. Que dès qu'elle lance l'émission, elle lui envoie les spots. Je lui envoie tout ça sur WhatsApp. L'écrivain de Facebook, là. Qui me disait que oh, 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 oh. Je lui envoie tout. On passe ça en publicité. Ma belle, j'ai les spots, je t'envoie. Maman, les vives, les yamseurs. Maman, j'attends la chanson des yamseurs. Les yam, j'attends votre chanson. Oui. J'attends la chanson des yamseurs. Fais mon live qu'avec. Vive la paix des yamseurs. Mettez les cœurs pour les yamseurs. Hein? Mettez les cœurs pour les yamseurs. Voilà. Les cœurs pour les yamseurs. Et puis je pars. S'il vous plaît. Je veux voir les cœurs pour les yamseurs. Vive les yamseurs. Ça ne chauffe pas. Je ne comprends pas Facebook. Chacun anime son blog comme il veut. C'est leur problème là-bas. Donc, sur ce... Merci, Minindé. Merci. Les cœurs pour les yamseurs. Ça, c'est les cœurs des yamseurs. Les yamseurs chou. Votre belle sœur de la gloire glorieuse que je suis. Je vous envoie. Les bisous. Que les bisous. Que les ondes positives vous localisent. Chacun d'entre vous. Vous vous trouvez. Les yamseurs. Les yamseurs. Les yamseurs. Les yamseurs. Les yamseurs. Facebook. C'est la politique. Valorisez les vôtres. C'est comme ça. Mes yamseurs, mes yam belles sœurs me valorisent. Je les valorise. Oh, ça ne chauffe pas. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter avec plaisir. Voilà. Tout est rentré en ordre. Voilà. Ma sœur Nancy, je t'aime. Quand moi j'aime, j'aime. Tu es une belle personne. Ouais. Tu as ton franc parler. Quand ça ne va pas, tu tapes la main sur la table. Et parfois, tu es incompréhensif. Moi, j'ai appris à te comprendre. Et c'est pour ça que parfois, quand tu es en live, tu dis quelque chose que moi, j'ai déjà compris ce que tu veux dire. Mais je sais que ça peut te créer des problèmes parce que les gens ne vont pas comprendre. Je monte sur ton live et j'essaye de les expliquer à ma façon et ils comprennent. Ne change pas, reste tel que tu es. Tu es une personne intègre. Tu n'es pas fausse. Voilà pourquoi je t'aime. Reste comme ça, Nancy. Et laisse Pasto. Laisse. Laisse. Ne gère plus. Bisous là-bas. À couper. Oh.